autopsie numéro 6. Alors, on est sur un ratus. C'est un ratus. Les os fins, oreilles fines et transparentes, translucides. Que 20 cm. Alors, on va chercher à déterminer les causes de la mort. Dernier détail, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. C'est un ratus. Donc ratus. Qui a été tué par des chiens. Alors, sa main externe. Alors, on a une plaie. L'abdomen au niveau du fémur et de l'iliac droit, sexe masculin, procédure d'ouverture. Alors, ceci. Alors, normalement, il faudrait un ciseau. Des ciseaux, j'en ai pas. On se débrouille. La date, c'est le 9 janvier 2019. Date a priori du décès vers le 5 janvier 2019. Sans ISO, vous constatez l'ouverture n'est pas aisée. Donc ici, on a les muscles pelviens, les muscles thoraciques, pectoral, petit pectoral, bombé antérieur, droit antérieur, je vais passer à travers le péritoine. Thank you.
ici le processus de l'appendicite fluide. Donc l'animal individuel a l'air d'être en bonne santé. Le diaphragme ici, on voit très bien. On n'arrive pas à le trouver. Le foie, très bon état. Donc on a le péritoine. Donc je vais commencer. Extraction des organes de la cavité splanchnique. Partie du côlon ici. Alors, ça, c'est... Toujours le côlon. Donc là l'œsophage, on voit pas bien ici, il est extensible et extensible et élastique. C'est tellement petit, c'est mieux les sur les animaux plus courts. Alors il n'y a rien du tout, c'est légèrement problématique. Là on voit les 3, enfin 4 lobes du foie. Le foie m'a l'air bien, on va l'ouvrir pour vérifier qu'il n'y a pas de larve de Fasciola hepatica. Foie est sain. Alors, ensuite, donc on va extraire une partie du côlon. Là, on a la rate ici. Attendez. Là on a le rein,
avec sa capsule phrénique. Je ne la vois pas, celle-là. Alors, on va accéder au système cardiovasculaire. Cela, je fais une incision le long de l'appendice xiphoïde du corps du sternum et du manubrium où s'insèrent les 7 cartilages costaux, 7 à 8, ça dépend de la morphologie de chacun. Ça c'est ici au système cardiovasculaire après avoir perforé ici le péritoine. Là on constate la cirrhose du cœur, le péricarde. Je vais retirer le cœur. Les petits animaux comme ça, c'est vraiment compliqué. Il faut faire une dissection, enfin une autopsie dans de bonnes conditions. Alors, les poumons. Alors, je ne vois pas les poumons. Enfin, il y en a. Alors, ça, c'est un morceau de poumon ici. Je l'ai trouvé dans la cavité abdominale. Donc, ça peut être soit une erreur de. Un déplacement au sein des cavités pendant l'ouverture, ou bien au moment de la mort. Pas parvenu à le déterminer. Je ne vois pas ce dont il s'agit. C'est un petit peu bordélique. Ben, on dirait l'aorte, mais sa position me fait douter. Alors, on a le cœur. Avec ici les artères coronaires, la gauche ici. Normalement, on devrait aussi voir le sinus coronaire derrière. Avec ici le tronc pulmonaire et le poumon droit. Donc, cœur, poumon droit. Là, il y a un autre truc qui m'intrigue. Je vais devoir perforer le diaphragme. Mince, alors là j'ai fait une petite erreur. J'ai déchiré l'œsophage qui est ici. On voit ici l'épiphyllum gastrique avec ici
le Jejunum et le Duodenum. Là, ça s'est démêlé. Alors, on peut constater ici ces formations ovales. Ce sont des excréments. Là, les reins, on voit ici. Ah, il reste un bout du foie là. J'ai mal des... Ah, on voit la veine porte. Voilà, la veine porte ici. Je dois vérifier si on voit bien. On voit très bien. Hop, c'est pas très magique. Donc, je disais, la veine porte. Je l'ai paumé du coup, et il a la veine porte, putain, je peux pas la porter, ça me saoule. Ça me plairait de la voir. Donc ici, la veine porte, on ne voit rien. La veine porte à la base du foie. Bon, on ne la voit plus. Donc là, le jejunum. Vraiment pas une pince adaptée celle-là. Il faut que j'achète du matériel. Ensuite, qu'est-ce que voilà, donc rein droit, rein gauche, capsule supranéphrique. Ici, capsule supranéphrique. Les nerfs, les muscles dorsaux. Les longissimus, pardon. Donc là, on voit toujours le diaphragme ici. Toujours très visible, facilement visible. Donc là, les doigts, on a dit, hein, 4 en haut, 5 en bas, typique du ratus ratus. Et puis là, nous avons donc vidé les cavités splanchniques. Enfin, nous en avons vidé deux. Celle-ci et la cavité thoracique. Donc là, il ne reste rien. Alors maintenant... Ici, on constate que la peau a totalement été découpée presque parfaitement hein, par les canines, donc les crocs du chien. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Bon, de toute évidence, ceci n'a pas aidé l'animal à s'en remettre. Alors, bon, le cœur n'a pas l'air d'avoir souffert, le foie non plus, le système cardiovasculaire et respiratoire non plus. Le système digestif est trop... Enfin, il n'est pas vraiment analysable, là. Donc, on va donc continuer. Hop. Donc là, on a tout vidé. Bon, a priori, il n'y a rien de flagrant. J'aimerais visiter plus le côté droit afin de vérifier des potentiels... traumatisme. Bon là l'ouverture hein, elle a fait carrément, ça a carrément perforé, comme on peut le voir ici, ça a perforé totalement, là je passe à travers hein. Ça a complètement perforé le péritoine, donc une partie du côlon ascendant et du jejunum qui ont été endommagés. Mais ça ne peut pas causer le décès hein, immédiat en tout cas. Alors je n'ai pas les circonstances exactes du meurtre, mais à mon avis, étant donné que ce sont des chiens et la description qu'on a fait sur les lieux, il a plutôt dû avoir un traumatisme au niveau du rachis thoracique ou et cervical.
causant donc un décès rapide, hein, ça on connaît. Mais là, je ne peux pas le vérifier. Je ne peux pas ouvrir. Le calvarium, donc je ne peux pas le vérifier. Donc après vérification des codes, je pourrais dire le code de décès. Donc on est bien sur une mort violente avec possiblement traumatisme cervical, thoracique, et également une perforation donc de l'abdomen causant un décès par septicémie ou en tout cas infection, ouais, une infection quoi. Et ou hémorragie externe. On n'a pas trouvé de sang sur les lieux, mais il est possible que. Enfin, c'est fort possible. Alors, on va passer à la deuxième autopsie. Oh, il y a de la terre là.